de HIIT Cardio, 24 minutes d'effort aujourd'hui. On va faire 8 exercices qu'on va répéter sur 4 tours. On va faire 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On va rien lâcher, pas de pause aujourd'hui. Il fait beau, il fait presque chaud, mais on va se réchauffer très vite. Allez, c'est parti, vous me suivez? Pour mon entraînement aujourd'hui, j'utilise une application qui s'appelle Tabata Timer. Voilà, je l'ai téléchargée sur mon téléphone. Elle me permet en fait de rentrer des routines à l'avance où je vais mettre mon temps d'effort, mon temps de récupération. Ça marche exactement comme Litobox, sauf que c'est sur mon téléphone, ce qui me permet de partir avec absolument partout. Moi personnellement, j'utilise une box de musique, donc en fait le timer va se mettre en plus de la musique que je vais lancer, ce qui me permet évidemment de ne pas checker le chrono toutes les 10 secondes pour voir où j'en suis. En fait, les bips vont permettre de rythmer l'entraînement. Donc c'est très simple, ça marche exactement pareil, vous rentrez votre temps d'effort, votre temps de récupération, le nombre de rounds que vous voulez effectuer. Donc pour nous aujourd'hui par exemple, on a 8 exercices sur 4 tours, ce qui nous fait 32 rounds. On est sur 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération et après l'application fait le reste. Allez, on va partir sur l'échauffement. Avant de débuter cet échauffement, je vais faire une dernière petite parenthèse. Vous trouverez en description une playlist disponible sur Spotify que j'utilise pour mes entraînements, assez punchy, qui permet vraiment de se dépasser. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à écouter cette playlist, à l'utiliser en plus pour votre entraînement. Allez, on y va. Alors on va d'abord commencer avec un échauffement, on va partir sur une pyramide. Donc on va faire les exercices, on va les réaliser 3 fois, 5 fois, 7 fois, 5 fois, 3 fois. Très simple, juste 3 exercices qu'on va enchaîner. Profitez de l'espace que vous avez autour de vous. Allez, on y va. On part sur 3 allées en talons fesses. 2 et 3. Jumping jack. 1, 2 et 3. Montée de genoux. 1, 2 et 3. Jumping jack. 1, 2 et 3. Et on repart sur les talons fesses. Et de 1, 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Jumping jack. 1, 2, 3, 4. Et 5, montée de genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de mettre du rythme. Jack. Allez, 3, 4 et 5. 7 fois. Allez, 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Et jack. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7. Montez les genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On repart en talons fesses. 5 fois. Et de 1, 2, on respire. 3, 4 et 5. Jack. 1, 2, 3, 4, 5. On monte les genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5. Jack, 2, 3, 4 et 5. On repart pour 3. Allez, 2, 1, 2 et 3. Allez, Jack. Et 1, 2, 3. Montez de genoux. Et 1, 2, 3. Allez, Jack. 1, 2 et 3. On court sur place. Voilà, on est bien échauffé. Les épaules, les hanches, le souffle. On a fait un peu monter le cœur. Maintenant, on va partir sur l'enchaînement des exercices que je vais d'abord vous présenter. Je vais maintenant passer à la présentation des 8 exercices. Le premier, on va partir sur des cross squats. Alors ici, on va croiser et descendre. Croiser les pieds et descendre. Donc là, je croise pied droit puis pied gauche. Alternativement, les bras sont de chaque côté quand je suis en l'air et que je croise. Et les bras sont devant quand j'effectue le squat. Pensez toujours à votre poids du corps dans les talons. Essayez de fixer un point en face de vous. Ne regardez pas par terre. Ensuite, deuxième exercice, on va partir sur des patineurs. Donc là, je vais aller de droite et de gauche, voilà, en changeant mes appuis et les bras opposés de chaque côté. Ici, je pense à bien descendre sur ma jambe extérieure, l'autre jambe bien croisée derrière sans toucher. Voilà, si vous avez de la peine à ne pas toucher, venez juste poser votre pied à côté au niveau de votre mollet, comme ceci. Voilà. Ça, c'est un peu moins difficile. Donc plus vous mettez d'amplitude, plus l'intensité est forte. Le troisième exercice, on va partir sur des climbers extérieurs cette fois-ci. Hop. Voilà, droite et gauche de chaque côté. L'idée, c'est que votre pied essaye d'arriver au niveau de votre poignet sans, en protégeant évidemment votre dos. Voilà, sans
faire de faux mouvements. Si ça devient trop difficile, on part sur des climbers classiques vers l'intérieur. Voilà pour les trois premiers exercices. Le quatrième, on va partir sur une échelle sur place. Donc là, je vais aller extérieur-intérieur comme ceci le plus rapidement possible. Voilà, c'est un exercice assez cardio. On est sur la pointe des pieds, les mollets vont être relativement sollicités. Ensuite, le cinquième exercice, on va partir sur des squats et pas chassés. J'entends donc squat sauté et pas chassé, pardon. Je saute mon squat et j'alterne droite et gauche, comme ceci. Voilà, surtout on pense surtout à respirer, c'est très important. Le sixième exercice, on va partir sur des montées de genoux. Voilà, montée de genoux, sixième exercice. Donc ici, je rappelle l'option, si on ne veut plus sauter, l'idée est d'arriver à monter les genoux au moins à la hauteur des hanches, le plus rapidement possible, en activant bien ses bras. Le septième exercice, on va partir sur des fentes marchées. Voilà, comme ceci. Hop, et je me replie. Parfait. Et enfin, le dernier exercice, on va partir sur des kicks devant. Donc là, je me montre l'exercice, droite et gauche. Pareil, je rebondis sur mes pieds, sur mes pointes de pied. J'ai les jambes tendues devant et j'alterne mon bras droit et mon bras gauche. Voilà, devant. L'idée est de mettre un maximum de rythme. Voilà pour cet entraînement. On va enchaîner les 32 séries sans s'arrêter. Ça promet d'être sportif. Je vous laisse quand même vous munir d'une bouteille d'eau si vous avez le temps de boire dans les 15 secondes de récupération. Allez, on y va. Go, c'est parti. Cross squat pour 30 secondes. Voilà. Allez. Premier tour, aujourd'hui que 4 tours. Ça va passer vite. Ça reste intense. On lâche pas. Allez, on croise et squat devant. Allez, explosif. Très bien l'intérieur des cuisses. Et pause. Comme vous entendez, les bips permettent de réguler l'entraînement. On va partir sur les patineurs en deuxième exercice. On se place. On part de droite et de gauche. Et c'est parti. Voilà, bien bas sur les appuis. Je répète, si c'est trop difficile de croiser sans poser le pied, je le pose à côté. Et je saute. Allez, on continue bien bas. Pensez à souffler. Allez, on alterne. Droite et gauche. On souffle. Allez. Et pause. On va continuer sur les climbers extérieurs. Je me mets en place. Je rappelle les climbers intérieurs si jamais c'est trop difficile. On n'hésite pas à changer si ça fait mal à la hanche ou autre. Et on alterne. L'option, c'est passer entre deux par la position planche. Ok, on continue. Voilà. Allez, on met du rythme. Pensez à respirer, serrer les abdominaux. Allez. Et pause. On va enchaîner avec l'échelle sur place. On détend ses épaules. C'est très agréable hein, de ce temps. Vous êtes prêts? Intérieur, extérieur. Go. Voilà. Et on alterne intérieur, extérieur le plus rapidement possible. Là, on a le droit de regarder par terre. On en profite. Allez, droite, gauche. On pense à souffler le plus vite possible. On tape bien le sol. On est sur la pointe des pieds. Allez, on lâche rien. Mes bras sont actifs. Allez, jusqu'au bout. On y est presque. Et pause. On enchaîne avec le cinquième exercice. Les squats chassés de chaque côté. Vous êtes prêts? Moi je suis au taquet. 2, 1. Et c'est parti. Et squat. On chasse et on squat. Ici on essaye d'aller le plus vite possible. Voilà, on s'aide de ses bras. On descend bien le squat.
Magnifique. Allez, on continue. On pense bien son poids du corps dans les talons. On laisse pas son genou dépasser sa pointe de pied. Allez. 1. Et pause. On va partir sur les montées de genoux. On respire. Allez, on y est presque. Presque à la fin du premier tour. Et go. Allez, montée de genoux. Le plus vite possible. J'active bien mes bras. Je pense à souffler. Allez, courage. Allez, on continue. Voilà, on monte les genoux jusqu'au bout. On accélère. Fixe un point pour avoir le dos droit. Allez. Et pause. On va enchaîner avec les fentes marchées. On va faire 4 dans un sens et on va se retourner. Allez. On s'essouffle. Et c'est parti. Voilà, je me tourne que vous voyez. Vous avez de l'espace. Mes mains sont autour de mes hanches. Et j'avance. Voilà, le plus loin possible. Le genou le plus près du sol. Allez, jusqu'au bout. Parfait. Allez, on continue. Allez, le dernier, les kicks. On aura déjà fini le premier tour. Facile. Pensez à souffler. Parfait. Allez, je me mets en place. Sur la pointe des pieds. Et c'est parti. 30 secondes. Les hanches bien dans l'axe. Le pied bien devant. Allez, je continue. Super. Voilà, mon bras se tend. À chaque fois que ma jambe se tend, c'est assez simple. Allez, on continue. Pensez à souffler. On a presque fini le premier tour. Et pause. Et voilà pour le premier tour. Plus que 3 comme ça. Et c'est réglé. On va se mettre en place pour les cross squats. Pensez à souffler. Allez. 2. Et c'est parti. Voilà. Allez, 30 secondes. Ça va passer vite. On baisse bien ses fesses sur les squats. Bien joué. Allez, on continue. Pensez à souffler. Oh, on est bien au soleil. Allez, on lâche rien. Bien joué. Allez, 2. Et pause. Deuxième exercice, les patineurs. Moi, celui que je trouve le plus difficile, personnellement. Surtout, on met bien du rythme. 2. 1. Et bras opposés. Allez. Et on alterne droite et gauche. Bien joué. Allez, on continue. On souffle. On lâche rien. On est bien. Je répète, le pied à côté, ça devient trop dur de croiser. Allez, les abdos au travail. Les appuis sur les cuisses. On y est presque. Bien joué. Petit climb burst. On y va. Allez, en place. Climb burst extérieur ou intérieur. En place. Allez, on alterne. Droite et gauche. On continue. Voilà, moi je bascule à l'intérieur. Ça me fait un peu mal à la hanche. Faut pas hésiter à utiliser l'option. Pensez surtout à bien respirer. Voilà, et à mettre du rythme. Bien joué. J'ai arrêté une petite seconde avant. C'est moche. Allez, on va alterner droite et gauche sur la course sur place, l'échelle,
On écarte et on ramène. Et c'est parti. Allez, on écarte, on ramène, on active les bras. Là, on a le droit de regarder par terre. On souffle. Allez, plus vite possible. Exercice de réactivité. On essaye d'être vraiment stable au niveau des épaules. De faire bouger que les jambes. Allez, on souffle. On y est presque. Promis, j'arrête pas une seconde avant. Allez, on continue. On souffle. Voilà, pause. On va continuer avec les squats chassés. Squat sauté, pas chassé, je vais y arriver. C'est ma petite contraction de droite et de gauche. C'est parti. Voilà. Et je bascule à droite et à gauche. Bien joué. Allez, on continue. On est déjà à plus de la moitié de la deuxième série. Ça passe tout seul. Allez, droite et gauche. Bien joué. Jusqu'au bout. Et pause. Allez, pour 15 secondes, surtout pensez bien à respirer. Je répète, vous avez 15 secondes, vous avez le temps de boire. À partir sur les montées de genoux. Le plus vite possible. Allez, go. Et on monte les genoux. Voilà. Droite et gauche. Super, on continue. Allez, allez. On lâche rien. Bien joué. Voilà. Allez, on accélère. Pensez à caler votre respiration. Allez, on respire. Jusqu'au bout. Et pause. Ouh. Allez, avant dernier exercice du tour, les fentes marchées. Profitez-en pour respirer. Allez, on se met en place. Et c'est parti. Voilà. Je prends bien le temps de décomposer mon mouvement vers l'avant. Avec la ligne du terrain de foot. Je suis sûre d'avoir les hanches bien droites, je fixe un point. Voilà, on continue. Ouh. On va passer au kick. On aura déjà fait la moitié de l'entraînement. Franchement, facile. Ouh. On respire. Allez, en place. 2, 1. Et c'est parti. Pointe de pied. Et j'alterne droite et gauche. Voilà. Allez, on donne tout. Facile. Pensez à souffler. Voilà. Allez, range bien dans l'axe. On lâche rien. Jusqu'au bout. Allez, on y est presque. Et on a fait la moitié de l'entraînement. Allez, encore deux séries. On se met en place pour les cross squats. Facile. Allez. 2, 1. Et c'est parti. Allez. C'est la avant-dernière fois qu'on les fait. Ouais. Allez, on lâche rien. On serre bien le ventre. Haut du corps dans les talons. Bien explosif. Sur la pointe des pieds. Allez, on continue jusqu'au bout. Ouais. Allez. Ouais, allez, pause. Ouh, les patineurs, mon préféré. Allez. On passe de droite et de gauche. Le sol est un peu glissant, donc c'est pas évident. Et go. Allez, droite et gauche. Voilà, on descend bien sur les appuis. On active les fessiers. Bien joué. Ouais. Voyez, j'essaie de mettre plus de rythme. Je vais aussi mettre plus d'amplitude. C'est vous qui décidez. Toujours le bras opposé. Sans trop se dandiner. On serre les abdos.
Allez. Ouais. Allez, on continue. On respire. Climber à suivre. Je vais me mettre au sol. Extérieur ou intérieur. Je monte les extérieurs, comme je disais, j'ai mal à la hanche. Je fais pour ma part. Continue à l'intérieur. J'aligne bien mes épaules, mes coudes et mes poignets. Mon dos est plat. Mes mains dans l'axe. Voilà. Pas vers l'extérieur. Je commence à souffler jusqu'au bout. Allez, pause. Petite échelle, course sur place. Ouais, je suis dehors, donc il y a des insectes, des petits vers de terre. C'est sympa, on fait le sport entre amis. Allez, go. Intérieur, extérieur. On lâche pas. On fixe un point au sol. On essaye de fixer les épaules. On est sur la pointe des pieds. Voilà, grosse sollicitation des mollets aujourd'hui. Et j'alterne droite et gauche. Allez, du rythme. On continue. Même pas mal. Deux. Voilà, et pause. On va faire les squats chassés. On respire, il y a de l'air, on est bien. Allez. Deux. Un. Et c'est parti. Droite et gauche. Alors, je n'ai pas montré d'option pour celui-ci. Vous pouvez juste faire des tap-up sur le côté si ça devient trop difficile. Allez, on souffle, on descend bien. Si on les appuie. Bien joué. Droite et gauche. On continue. Voilà, le petit pas chassé au milieu. On va partir sur les fentes, marcher. Je vais commencer dans ce sens qui évitera de sortir du cadre. Vous êtes prêts? Ouais. À fond. Deux. Un. Go. Allez, on avance. Et on fait demi-tour. Ici, on fixe un point en face. On essaye de descendre son genou arrière le plus proche du sol. On lâche pas. C'est un peu là que vous pouvez respirer. On en profite. Ouh. Allez. Mais il nous en reste qu'un dans ce tour. Les kicks. Oh, les montées de genoux, j'ai oublié. On va faire les montées de genoux. On aura inversé les deux exercices. J'espère que vous ne m'entraînerez pas rigueur. Allez, go. Ça arrive, hein. 8 exercices, c'est pas forcément évident de se rater de l'ordre. Allez, on se concentre sur sa respiration. Super. On active bien les bras. Fixe un point devant. On accélère. Je crois qu'il me réjouissait du dernier exercice du tour. Et maintenant, il y en avait encore deux. Allez, on continue. Voilà, pause. Maintenant, on va faire les kicks. Du coup, les montées de genoux et les kicks enchaînés, c'est assez sympa. Allez. Ah, il y a de l'air, on est bien. Et c'est parti. Allez, on kick. 30 secondes. Toujours sur les pointes de pied. Des mains, nos mollets sont bien une épreuve. On continue. Essaye de baisser ses épaules. Et d'alterner droite et gauche. Allez. On continue. On lâche pas. Voilà, on alterne. Pause. Dernier tour, les gars. Allez, on respire. Cross squat. Passe crème, celui-là. Un tour, c'est 4 minutes. 4 minutes d'effort, j'entends. Allez. On croise et squat. Allez, c'est parti. On lâche pas jusqu'au bout. On essaye de
bien écarté. Bien joué. Allez, on continue. Voilà, on respire. Bien joué. La respiration, la clé dans le cardio. Et pause, les gars. Allez, on respire. On enchaîne avec le deuxième. Patineur, mon préféré. Droite et gauche. Et c'est parti. Allez, droite et gauche. Avec du rythme. On alterne, on fixe un point en face de soi. Oh, moi, je fixe ma gourde. Perso, n'oublie pas, si on souhaite croiser, de ne pas poser le pied derrière. Sinon, c'est pied côte à côte. Et on est en amplitude. On souffle. Allez, jusqu'au bout. On lâche rien. Bien bas sur les appuis. Jusqu'au bout. Super. Climbers. Je ne remonte pas l'option extérieure. J'ai vraiment mal aux hanches. Je vais se faire comme vous le sentez. Je vais me mettre en position. Je vais sur les petits liens d'étel. Voilà. Je descends au maximum mes fesses. Et j'alterne. Droite, gauche. Allez, on continue. Ouais. Même pas mal. Du rythme. On serre les abdos. Super, on continue. Allez, on souffle. Vous aurez 5. Même pas peur. Allez, le quatrième. J'ai un trou de mémoire. L'échelle sur place. On continue. Encore 20 secondes. Allez. On continue. Allez. Allez. Bien joué. Allez, on continue. On y est presque. On respire. On est bien. Squat de chaque côté avec le pas chassé. Promis, je fais les montées de genoux après. Et c'est parti. Allez, squat. Droite et gauche. Bien joué. Voilà. Mes fessiers sont bien en arrière. Le dos est plat. J'essaye de détendre mes épaules. Et mon poids du corps. Dans les talons. Bien joué la team. Allez, on continue. On lâche pas. Voilà, mais ça commence à brûler les cuisses. Allez, pause. Plus que 3. Montée de genoux. Dernière fois. Allez, on respire. Je recoiffe un peu. 2. 1. Et c'est parti. Allez. Allez, on monte les genoux. Un peu de courage. On pense à souffler. Voilà, on accélère. Bien joué. Allez. Mon épaule sans droite. Mon dos est droit. Deux. Et pause. Plus que deux. Cette fois-ci, je vais faire les fentes. Je sais que je ne me trompe pas. Allez. Allez les gars, les kicks, il est fini. Allez,
On respire. Et je suis trempée. 2, 1. Et c'est parti. Allez, kick. Rentrée gauche. Dernier effort. Toujours sur les pointes de pied. On lâche pas. Allez, on souffle. Même pas mal. Allez, on continue. Ouais, bien joué. Allez, la team. On lâche rien. Jusqu'au bout. Allez, on kick. Entraînement terminé. Bien joué. Franchement, ça fait du bien d'avoir l'air, d'être à l'extérieur. Je prends 2 secondes et on débrief. Allez, voilà la team, on en a fini avec cet entraînement cardio de 24 minutes. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, 15 secondes de récup, 30 secondes d'effort. Dites-moi si ça vous convient comme type d'entraînement. Alors, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Je vous laisse mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse également mettre un commentaire si vous voulez d'autres contenus sur cette chaîne. Sachez que bientôt, des petits conseils nutrition vont arriver. Je vous laisse également jeter un œil sur mes différents comptes réseaux sociaux. Je vous laisse aussi mettre la petite cloche si vous voulez voir mes autres vidéos à venir et à vous abonner à ma page. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez bien transpiré et je vous dis à bientôt.